Hey, salut tout le monde, c'est TheLogan, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce qui va se passer, comme vous pouvez voir, c'est que à ma droite là, j'ouvre des clés mystères parce que, en fait, je vous explique, j'avais 9000 gemmes et du coup, j'ai hésité pendant une heure ou deux, j'ai dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'achète des power ou alors je rajoute des gemmes pour acheter une bâtisseuse d'end. Et donc, au final, j'ai fait quoi? J'ai acheté un pack de 10 clés mystères, tranquille. Et du coup, j'ai eu des creepers, j'ai des spawners enderman, tout ça. Et après, j'ai eu une clé ultime. Et grâce à cette clé ultime, j'ai pu ouvrir une clé et obtenir la HT10, comme vous pouvez voir. Donc voilà, c'était quand même assez sympathique. La T10, je vais la garder, donc je ne la vends pas. Parce que j'ai déjà vendu une T10 dans une de mes vidéos précédentes aussi. Et voilà. Après, les amis, on va passer au tirage au sort des 2650 gemmes du concours de la vidéo précédente. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais il fallait pour participer mettre un commentaire dans la vidéo en tapant votre pseudo Minecraft Blood Symphony. Donc c'est parti, on passe tout de suite après la vidéo. Donc c'est parti les amis, on va sur le compte de Freaky, on va dans boutique, on prend exactement le code. Donc on va dans appel et hop, on fait tac, tac, tac et boum, c'est parti, GG à toi. Et voilà, Freaky, il a exactement 3175 gemmes. Sans oublier que dans cette vidéo, il y aura encore un concours, mais cette fois-ci, ce ne sera plus les 2650 gemmes, mais on va un peu augmenter un tout petit peu. Ce sera donc 4000 gemmes à gagner, donc je compte sur vous pour participer. Mettez votre pseudo Minecraft de Blood Symphony dans les commentaires. Lâchez toujours un petit like et de vous abonner pour ne rater aucun concours. Décidément, prochainement dans mes vidéos, je vais faire un event. Je pense que je vais le faire à 500 abonnés. Je vais... Là, je suis occupé à construire une petite base pillable à la TNT, donc non aux creepers et non aux grenades, qui est quand même accessible à tous les joueurs qui sont pas riches, pour justement leur rendre riches, parce que dedans, dans la base, je vais mettre quelques P4, quelques T5, et quelques TNT, et quelques creepers, même quelques grenades, et peut-être qu'il y aura un grade à gagner à ce moment-là. Pour cela, j'attends toujours les 500 abonnés. Et deuxièmement, je suis occupé à la construire, cette base-là. Donc j'ai engagé un joueur qui mine en ce moment les chunks pour moi. Moi, je lui paye en cadeau. Moi, je lui paye en slash offrir. Et lui, en échange, je lui ai dit, écoute, il faut que tu mines des chunks. Et il a accepté parce que j'ai fait une bonne offre. Et donc, donc la base est occupée à se faire construire. Et la construction de la base, ça va être rapide, hein. Ça va pas être un truc énorme, comme vous voyez, la base de la SPQR ou ma base, personnellement, ce sera pas un truc comme ça, mais voilà. Je sais pas comment je vais encore faire pour téléporter les gens tous au même endroit, ou alors je claque les coordonnées de la base comme ça, en plein live ou en plein vidéo, et donc j'en ferai une vidéo complète en fait. J'espère juste qu'elle durera pas longtemps, et j'espère que niveau visuel, que je pourrai voir tout simplement les gens en train de piller la base sans me tuer moi. Ça va être le plus dur. Je pense que je vais quand même le faire, mais il faut que je prévoie à ne pas être atout. Comme ça, je ne perds pas des atouts pour rien. Et donc, voilà. Donc, il y aura des events qui vont venir, de très intéressants. À mettre un commentaire avec votre pseudo pour participer, à lâcher un like. Et on se retrouve soit sur BS, ou soit pour une prochaine vidéo qui va arriver par la suite, un pillage, ou alors base tour, certainement. Je pense qu'il y aura une autre vidéo où je ferai une visite de la base et tout ça pour vous expliquer voilà, comment c'est. Donc voilà, c'était TheLogan, je vous laisse. Ciao. Me laisse sur le coffre. Ouais. On sait pas. Je te laisse gérer. Ah, tu t'aimes dans le code keeper, ok. Il y en a un Volt. Tempère, hein, fais gaffe. Hein. Donc, chaque fois que tu sais pas opposer, c'est en moins. Tu peux pas déposer dessus le coffre? C'est pas grave. Ah, si. Oh, oui.
Ok. Si j'ai vu de l'instant, pack de protection. Oh, la Bedrock! 4 Bedrock! Il y a des bâtisseurs d'enclume, oh! Bâtisseurs d'enclume! Sérieux? Oh! Il y en a deux. Les gars, oh, grappin ultime et tout! What the fuck? Grappin ultime! Mais gros, il y a que du loot en. Attends, mais quoi? Mon sac est full. Mais chais! Attendez. Oh merde, il y a du stuff en bas. On ira chercher. Attends, au pire. Des étoiles plutôt. Ouais, des fragments BG. What the fuck, big? T'as tout mis dans ton PV, toi? Dans mon sac. Et alors, t'as mis où? T'as mis quel vol? Moi, j'ai mis Volt 5. Oh! Pack de protection. Démolisseur. Il y a un bosseuse en clume 120. Deux bosseuses en clume de 120. Il y a un pack de protection. C'est tout du stock mythique. Et les blocs de diamants et tout. Fragment d'étoile. C'était un masque déjà. Oh, what the fuck? Volt 4. Train des pieds. Les fragments et tout. Oh non, tu es pas tombé. Fils des pites. T'as-tu un lighter? Un quoi? Un lighter? Ouais. Oh, sacrifice. Oh putain, mais c'est quoi tout ça? Une hache elfique. Comment ça? Oh, sérieux? Elle vole le cap? Oui. Encore des pioche. La pioche de truc elfique. La pioche ici. Oh, épique. Une pioche qui est efficacité 6, sharpness 5. What the fuck? Quoi? Sharpness 5? What the hell, man? Pourquoi y'a pas plus de stuff, gros? Le coffre ici, t'es sûr que t'es pas là, gros? Ici, il était déjà là, mais bon. Essaye de le mettre parce que j'arrivais pas à le péter. Tu gères mieux les creeps que moi. Ouais, mais faut la chasse sur un bloc plus haut. Ou alors j'ai crochetage, mais j'arrive pas à crocheter, j'ai essayé 20 fois, là, faut passer. T'as essayé 20 fois de crocheter, t'es pas réussi? Non. Attends, je vais réessayer. Du premier coup! Y'a rien.